Bonjour tout le monde, donc j'ai décidé de retourner où j'ai trouvé les belles morilles le 12, là, le jour de mon anniversaire, et faire le versant de l'autre côté pour voir s'il y avait d'autres morilles. Bonjour les amis, donc comme je dis toujours, les jours se suivent mais ne se ressemblent pas, donc aujourd'hui prospection mais très très dur, difficile, donc je sais pas ce que ça va donner mais bon, au moins je suis pas capot. La première de la journée. Bon, et ben, nouveau spot trouvé. Il n'y en a pas beaucoup pour l'instant. Donc, toujours sur l'autre versant. Hein. Je pense qu'elles commencent seulement à sortir vu la taille qu'elles font. Elles sont pas énormes. Rien à voir avec les grosses pattes à billes. Encore une que j'avais pas vue. Bon, donc au pied des frênes, au pied d'un frêne là. Hop. Bon, ouais, elles sont là, ouais, elles commencent juste. Hein. Elles sont pas grosses. Toujours en prospection, ça fait plaisir. Bon, encore deux jolies petites dans le lierre. Croquées par les molasses. Bon, et bien, au milieu des frênes, nouveau spot trouvé. Ça fait vraiment plaisir. Ça sera la plus belle de la journée, cette morille. Est vraiment très jolie. Il faut passer par là. Donc là, je suis en pleine forêt, hein. Foyard et frêne. Alors, il y en a encore une par là. Bon, elles sont moins grosses qu'hier, hein, malheureusement, mais bon, on choisit pas et bien mangées par les limaces. Et elles ont été chutées par les chevreuils. On va par là. Une petite là. Ensuite, on passe là. C'est bien le bordel. Ça glisse. Et là, attention. Là, c'est joli.
encore une jolie. Allergie au pollen, ça commence, ça y est. Là, encore une jolie. Pas vu, toute petite là, on va la laisser, on va la cacher. Bon ben, je pense que la pousse elle commence seulement ici. On verra bien ce que ça donne. Et l'autre elle est là-bas. À voir dans quelques jours. On verra bien. Encore une que j'avais pas vue. Encore une jolie petite. Bon, et bien, encore deux jolies. Oh bah, salut. Bon, après une après-midi peu fructueuse, où j'ai croisé deux chercheurs, j'ai vu un ou deux pieds coupés. Mais bon, j'ai été en prospection, donc c'était un secteur où j'étais jamais allé. Enfin, la première. Bon, ouais, ben, ça continue, hein, encore quelques-unes. Pas trop vilaine. J'espère que la vidéo vous a plu et que ça vous permet de regarder les différents biotopes où vous pouvez trouver nos belles éponges.